Le bail, oui, parce que vous remettez bail, vous voulez bénir. Jésus-Christ pas tout bail pour bénir. Jésus-Christ tout bail pour bénir des pauvres, les gens qui ont nécessité. Et puis lui-même, la boy, on récompense. Parce que Jésus-Christ pas gagne, pas promettre ou récompense sous terre, alors bail. Bon, moutou qui ça le dit. Luc 12, gardez Luc 12. Quel est acte 4 là? On garde Luc 12. Pour qui ça Jésus-Christ dit? Parce que moun ki bay yo bay pou yo kage, Jésus-Christ ou pa bay pou espérer rien en retour. Gardez Luc 12 pour voir qui ça la parole de Dieu dit. Luc 12 à partir de verset 32, enfin 30 31. Luc 12 verset 31, 32, 33 et 34. Nous pas regarder pour nous voir qui ça la parole de Dieu dit. Ouvrez Bible, regardez avec nous. Le verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Changez-moi de dire que Jésus-Christ dit nous cherchez royaume non, et justice. Point final. Bien matériel, Jésus-Christ va nous chercher bien matériel. Tout était tout pour bien matériel quand on a péri avec l'IA qui n'a pas besoin de rien. Ou pas chercher royaume non, ou pas chercher justice, mon Dieu, sauf fait. Ou partie des biens matériels, ou sauter ni royaume ni justice, ou tomber les autres choses, ou tomber dans les autres choses, a dit bagaille la tête. Parce que Jésus-Christ de bord, ça qui est nécessaire pour vivre. Parce qu'en pile moun, parce que les chrétiens qui sont riches. Chrétiens qui sont riches, qui sont possédés, riches. C'est ça tout le monde. Oui, Jésus-Christ par un Dieu pauvre. Il n'est pas un Dieu pauvre. Mais qui ça? Les noms nous dit Jésus, Seigneur, me les suivre. Il dit, les renards, les oiseaux du ciel ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Chers téléspectateurs, ça Jésus qui vous l'a dit. Hein? Les oiseaux ont des tanières, les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ça vous l'a dit ou pas là? Vous voulez suivre moi, même pas un caille, bon, pas un bel caille, ni bien matériel, ma baou. Vous voulez marcher avec, venez prendre quoi? Parce qu'elle dit, ou destiné, et Thessaloniciens 3, et ça dit oui. C'est à cela que vous avez été destiné à la tribulation, aux calamités. Il n'y a pas de promesse avant pour vivre bien. Non, au contraire, le monde après, vous voyez, pas vivre, Jésus-Christ, depuis le commencement de vie jusqu'à la fin, il est obligé de le réfugier en Égypte, depuis tout petit bébé. Il parle de Néoda. Il dit, de vous prendre naissance en Jésus-Christ. Boum! Persécution a commencé jusqu'à ce que la mort arrive. C'est menti mort? Ou quoi c'est menti m'dou là? Jésus-Christ fait. Depuis côté de l'autre, il fait. Il va tuer. Il va tuer. Il va tuer tout petit bébé. Il tue tout petit bébé net. Jésus-Christ a le refusé en Égypte. Dans le pays de Cam. Peut-être pour ne pas tuer. Et le retourne les héros de mourir. C'est dit, toute ville, les persécuter jusqu'à la mort. Deuxième exemple, apôtre Paul, côté l'accepter Jésus-Christ, persécution commencé jusqu'à la décapitation. Mais, qu'il y a qui, homme de Dieu, pour le camper avec, avec les sentiments de Christ dans lui, qui pour dire que oui, il faut lui bien être, il faut lui riche. Qu'on doit passer pour dire, avec qui preuve? Avec qui Bible ou pas le camper pour dire? Ou pas le descendre dans Salomon? Ou pas le dans l'ancienne alliance? Ah ben oui, soit dans l'ancienne, ça prouve que vous n'avez pas de crise, vous venez en haut. Pourquoi Satan offrit Jésus les biens de la terre, les richesses de la terre, le royaume de la terre? Est-ce que Jésus qui dit c'est pour moi? Ou bien Jésus qui dit, pas occupé, Jésus qui refuse? L'offre le pain, toutes sortes de bagailles bien. Il dit non. Je n'ai pas vu seulement avec pain. Mais avec parole qui sortit du bon Dieu. Mais au moins, on ne t'a pas parlé de tout bien, de tout l'argent. En garde toujours dans Luc 12 là, le verset 32 maintenant. Ne crains point, Luc 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le verset 33 qu'il y a besoin pour garder bien chez les spectateurs, gardez pour moi. Le verset 33. Vendez ce que vous possédez
Ça c'est avec disciples la parler là. Et donnez-le au en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable. Donc, pas sous la terre, non, chers téléspectateurs. Alléluia. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est pas sous la terre, non? Dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Le verset 34, car là où est votre cœur, là aussi sera. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Est-ce que Jésus-Christ m'a dit pour faire un dépôt sous la terre? Ou après, il y a des pasteurs, il y a des comptes en banque. Ou des frères, des sœurs, des comptes en banque qui ont monté. Chers téléspectateurs, c'est lamentable. Et il y a des gens qui ont mouru grand goût. Même pas ouais ça dans l'église primitive, moi, c'est pas ça, moi. Il dit, vendre son gagné. Regardez le texte, le verset 33, chers téléspectateurs. Regardez le bien, oui. Vendre son possédé, bayou en aumône. Parce qu'il n'a pas besoin bien matériel, parce que Christ parle de bien matériel, non. Bayo en aumône. Qui ça nous écoute dans l'église? Tout le monde a fait pile bayo. C'est comme si on avait des gourmets, tout le monde vient, il plaît pas chaud, il le mettait de côté. Et puis il mettait Christ comme il y a des échantillons, puis il plaît pas chaud. Est-ce que c'est ça la parole de Dieu dit? En retournant dans Luc, dans acte 4, retournez dans acte 4 avec moi. Acte 4, le verset 36. Acte 4, verset 36. Regardez qui ça la parole de Dieu dit. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Attendez bien, oui. Tout ça, il possédait, il vendit. Bon, qu'on y a là, est-ce qu'on a des gens qui vendent quand ils pillent, ils pillent, mon? Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui possèdent déjà qui pillent, l'autre qui pague? Est-ce que c'est pas l'idou et Bali? Qui ça nous est? Il y a des gens qui cabaillent en retour, hein? Moun qui cabaillent en retour, il y a des gens. Oh, nous est tout le monde qui te possède, ça ouvre, il y a 20 chats, il y a 20 cailles, il y a possédé, il y a une déposée dans pied à Poutio. Parce qu'on est, il n'y a pas aucun fatra. La terre, c'est la vie éternelle. Christ parle, Christ m'a dit pour détacher. L'homme dit ça pas, dit me dit, ou pas qu'à vivre avec bien, ou pas qu'à utiliser l'argent, non? Hein? Pas dit, faut pas tout dire, ou pas qu'à utiliser l'argent. Il me ralme tout ça dans la parole de Dieu. Il vend tout ça, il gagne. Regardez qui ça gagne, Kouna. Gonseye de mounio gagne des empires. Il oublie si il a mouru. Il oublie si il a quitté pour moun qui n'a pas de jambes connaît pour venir m'embaucher là-dedans. Et qui chrétien. Lorsque Jésus-Christ dit, il est difficile pour mon riche entrer dans le royaume, non. Ou pas c'est son bagage jouet qu'il dit. Hein? Alors, quand je comprends, dans le royaume, parce que tu as 50 000 pièces, et puis tu as des frères et soeurs qui ont mouru dans le grand goût, dans la cité, ou quand tu as 50 000 euros sous lui, pendant que tu as des gens qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas payer les cailles, quand tu as passé pour entrer. Bon, chrétien qui est le chrétien authentique, là. Côté le cas de compte en banque de 20 50 000 euros. Jamais. Pourquoi? Qu'il y a mis ton peuple là? Qui est veuve qui pas de mari? Yo pas de gaz, yo pas qu'à payer caille. Faut yo charger yo. Faut yo aider yo, assembler qui l'autre côté yo. Yo na misère ou mieux parce faut aider yo. Quand on va de temps pour riche. Hein? M'bral mouto ki sa wap gen en tant que chrétien. An vire biboua avec nous, nan, proverbe 30. Proverbe 30, m'bral mouto ki sa la parole de Dieu dit, wap wè comment chrétien a vivre lui-même. Ki sa chrétien a possédé. Asse donc, on doit dire que Frère Patrick dit, mon nan pas ka riche ou bien. Enfin, pas riche non, ou pas ka riche. Frère Patrick dit ou pas ka riche. On doit dire que Frère Patrick pas et dit que Père bon Dieu a pas ka servi avec l'argent ou Père bon Dieu a pas travail. C'est pas ça nous dit ou non? C'est pas ça nous dit. Gardez Proverbe 30, le verset 6, 7, 8 et 9. Proverbe 30, verset 6, 7, 8 et 9. Gardez avec moi, chers téléspectateurs. Mais ça le dit. Le verset 6. N'ajoute rien
à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Entrez ça dans la tête, chers les téléspectateurs. Accorde-moi ce qui, le pain qui m'est nécessaire. Il manque de quoi pour vivre. Ou bien de quoi pour vivre. Grand goût pape tout yo, misère pape tout yo. Ou bien de quoi pour manger un pain pour être dans l'autre. Depuis 20 dollars entraînement, ou bien 10 pour l'autre, 10 pour l'autre. Parce qu'il faut que les gens qui ont nécessité de dire ça quand même pour partager. On ne va pas manger tout pour compte. Tu vois comme ça, on peut être chrétien authentique. Le verset 9. De paix que dans l'abondance, je ne te renie. Et ne dise qui est l'Éternel. Parce que Wab dit le même. Parce qu'on gagne bien. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe. Et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Si je possède un pile de richesse, je n'ai pas besoin de mon Dieu. Ça me fait mon Dieu. Je gagne l'argent. Je n'ai pas de temps. Je vais gérer le business. Un baguette pour me chercher bon Dieu. Si je suis pauvre, qu'on a un bras volé à faire moun, et qu'on a un bras dit, regardez, chrétien, non, bon Dieu, pour le blasphémer. Ou abgé, nécessaire pour vivre, chers téléspectateurs. Nous pourrons avancer encore plus devant. Pas oublier que nous se disons que tout ça est que nous avons appelé, n'a pas. 100% évangélique, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, frère, comment y est? Pour me tendre haut. Moi-même, tout le monde pour me tendre haut. Bon. Moi, d'accord, c'est, comme c'est la Bible qui parlait, c'est la vérité, c'est oui et amen. Mais, il y a un bagage, moi, je voulais signaler, ça serait avant, et maintenant, c'est pas la même chose. Oui, ma petite des soins, s'il y a des mots, moi. Avant. Nous, on est tous prophètes, nous, yo. C'est ton sapat qui t'est dans le pied, yo. Et Jean, yo, 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 yo. Yo, pas de besoin d'acheter ton billet d'avion. Et puis, comme dans le temps à vivre là, nous, normalement, là, pour présenter devant le public, il faut qu'on présentation différemment. Et puis, en plus aussi, quand quelque chose ou besoin régler, faut payer l'électricité, faut nous payer et cailler côté nous rassembler, faut nous utiliser en manière d'une façon ou d'une autre. Mais alors, faut nous servir avec l'argent. Si nous regardons à l'époque longtemps, quand la Bible a été écrite avec celle d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. L'argent nous travaille, c'est l'argent réellement, et faut nous servir. Et bon Dieu dit ou comme ça, dans la parole, et qui est-ce qui te dit ça? C'était. Il dit, apôtre là, te dit, depuis le jeune, juste les vieux, les pages, moins une petite lit, à prendre des charités, même prospérité. Alors, c'est ainsi que Magnon Capalé, comme si, serviteur bon Dieu, il ne faut pas avoir que l'argent du tout, parce qu'en ce moment-là, nous voulons l'argent pour nous servir. Et en plus, dans l'église, nous manquons quelque chose, serviteur bon Dieu, pas pauvre. C'est-à-dire, nous qu'a dit, nous dans l'église, nous pas pauvres, nous qu'a manqué quelque chose. Mais, bon Dieu peut parler de ce petit li pauvre, parce qu'il dit, li qu'a bon nous, li offre nous paix, depuis au début de la vie nous, jusqu'à nous fini. Alors, moi d'accord, c'est la Bible qui parlait, c'est l'écriture qui parlait, dans quelque chose vraiment, c'est normal, c'est la Bible qui dit, faut nous dire, mais, faut servir tes bon Dieu, y'a qu'à prendre nous service, y'a mérité service aussi. D'accord, frère moi. Ok, grâce bon Dieu à vous. Bon Dieu béni. Et puis, ma don bagay avant parti. Oui, d'accord. Apparemment, ou pas bien tendé, ça qui ferait Patrick de serviteur. Ça ferait Patrick dit serviteur. C'est ça qu'aime le proverbe 30, le verset 7. Enfin, le verset. Je vais regarder le proverbe 30 là. Nous sommes là avec nous. À partir du verset 6 jusqu'à 9. C'est juste, et avant me lire, mais ça me dit, serviteur. Me dit, il ne faut pas dire pour ne pas servir avec l'argent, non.
Par contre, sous t'étant de ça. Et c'est ça qu'elle me lit, Proverbe 30, qui dit, Seigneur, ne m'accorde, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Là, mon senti dit aussi. Accorde-moi, écoutez ce vidéo, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. S'il avait du gueufre, pratique du après. Ou pas qu'à riche ou à bien de quoi pour vivre. Mais, c'est ça, frère Patrick, d'où oui, c'est vrai. Moi, d'accord, c'est parce que vous sentez. Alors, qui ça en compte dans samedi? Qui ça me dit qui n'est pas correct? Eh bien, c'est le samedi où dit tout le Dieu pauvre. Pardon? Les serviteurs ou serviteurs qu'on y a nous, ouais, dans l'église, c'est déplié. Il y a déplié et. Comment ça s'appelle? Il y a déplié les chrétiens. Et l'église, je fais partie de l'église aussi. Il n'y a pas de pied les chrétiens. Le plus souvent, il y a moins de l'argent, l'argent dans le service. Li. Et nous, si je dis, pas tout en haut, pasteur nous, qui a venu avec un sandal dans le pied, ou à coûter bien, avec un sandal ou bien, qu'on est débraillé, comme un monde défrayé, comme un monde sans famille, comme un monde qui est dans la rue. Et après ça, nous-mêmes encore, même bouche qui dit béni soit éternel. C'est même bouche là qui dit maudit soit l'Éternel. C'est même bouche là qui dit oui, pasteur, nous, le plus souvent, c'est vrai. Yo mande l'argent, c'est vrai. Grand monde qui exagère, c'est vrai. Ça me compte ça, grand monde qui exagère. Parce que l'on, grand monde qui vient d'où comme ça, pour le bénou, faut porter 200, 300, 400 dollars bali. Ça, pour le bénou, ça, son bitin. Franchement, moi, si m'te ka faire, même genre, Monsieur a sorti mourir là pour me cacher, chercher moyen pour me mettre liberté de ça, comme Nelson Mandela, moi je peux faire. Comme je n'ai pas de pouvoir pour ça, et puis je n'ai pas de monde pour courir, je déteste ça. Mais là, nous dans l'église, nous nous assemblons, les gens qui ont porté la parole par nous, ils méritent pour être frais, ils méritent pour le joli, pour le mériter pour le bel, c'est l'homme. Mais quand les gens vraiment se cachent, ils ont cassé pour y être, mais. De toute façon, serviteur, ils ont besoin d'argent. Il y a des gens frais devant la télévision. Il y a des gens, madame, vous mettez au propre. Souvenez de, c'est parce que c'est avec l'argent au propre, au frais. Serviteur. L'argent, ça. Toujours. Moi, je suis d'accord avec vous, c'est la Bible qui parlait, mais bon. Nous, les chrétiens, nous avons besoin pour nous mettre serviteur, bon Dieu, au frais aussi. Bon Dieu, bénou, serviteur. Bon Dieu, bénou. D'accord, bye bye. Ok. Chers téléspectateurs, comme autant de nous, monde qui t'a suivi attentivement avec texte, n'a consulté, hein, et nous quoi comprendre, nous même qui de comprendre, nous comprendre. Ça pousse à évangélique, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, serviteur ou servante de Dieu. Bon Dieu béni, frère Jean. Bon Dieu béni, frère Jean, comment y est, n'attendez-vous. Vous ne pouvez pas quitter Michel aller comme ça. Parce que il y a des gens qui tendent ou qui pas tendent la Bible. Il y a des gens qui tendent nous, à plusieurs reprises, ils ont fait ça, il faut s'arrêter. Il y a autant de nous qui parlent vrai de ça la Bible dit. Mon ami pose des questions et il répond encore. Est-ce qu'on vient tout, est-ce qu'on vient tout tourner la télévision? Il dit même répéter, il dit non, on va venir tout tourner. Est-ce qu'on n'est pas bien habillé? Oui, ou bien habillé. Mm-hmm. Il dit répéter ou bien habillé. Mais comment fait qu'on t'a qu'à bien habillé pour dire l'autre monde, pour comparer devant un peuple sans habiller bien? Comment ça a fait? Faut nous comprendre, mes amis, l'évangile prêché. Pas de monde qui est jamais capable de faire ça pour capable de rouler un dirigeant avec un pasteur qui vient devant chaque jour pour elle mal habillée. Pour elle vient dans sa patte, non, puis ça n'a pas jamais fait. Un pied comme ça? Mais pour quelle raison? Bon, paye pas tout le début avec sa patte là. Oui, un exemple, d'accord, on va le retirer, bon, d'accord avec elle, je vais venir, d'accord avec elle pour capable comprendre. Frère, l'égal à 6, le verset 6, attendez? Ou même faut que tu as parlé à qui veut dire que monde qui a dirigé l'église là, l'héritier dans tout bien. Tout son possédé, l'héritier là dans le frère moi. Pasteur a gain droit pour toucher l'argent enveloppe li tout le mois bibliquement tant couleur que ou même au travail. Et puis patron payé ou. Pour joindre l'argent bloqué madame n'a petit lio, ma belle qui quantité petit de gain. Tout ça, ouais, mon Dieu, lio. L'église a responsable tout le temps, les frères. C'est pas ça que vous dites. Habillé par les riches. Et nous, yon, on sait que mon Dieu, pas qu'à riche. Ou pas habillé, ou pas bien, si possible, si le faut, oui.
Parce que après Paul dit tout le monde riche, mais nous-mêmes nous pauvres. Mm-hmm. Nous n'avons pas de linge pour nous mettre, nous n'avons pas de manger pour nous manger. Il faut nous faire travaux forcés, un paquet de bagages. Mais parlez pour les gens qui sont en crise, pour les gens qui sont en fondation à porte, pour les gens qui vivent, pour bon Dieu, pour les gens qui respectent la loi de la Bible, qui va dire autrefois. Autrefois, c'est toujours le même bagage. Quand il s'agit, sans ça, pas pour gagner, on gagne, même pas, c'est bon, moi, c'est le pour lui. Mais c'est du que, frère, nous tant de paroles, pas détourner la parole de Dieu dans le sens que nous voulons. M'habiller pour me dire, pas habiller. Manger bien pour me dire, non, pas manger. M'gen voiture pour me dire, non, pas gen voiture. C'est pas ça que nous dit. Ou capable gen voiture, ou capable gen système, mais dans telle condition qui égale bibliquement à la Bible. C'est-à-dire que c'est pas travail pour mon travail, pour bon, pour riche ou riche ou riche ou riche ou riche. Et puis l'autre même pauvre, dans la congrégation Jésus-Christ, là c'est le monde qui gagne, qui est deux sacs pas gagné. Amen. Au monde qui gagne, en fait, pour deux sacs pas gagné. Il va dire que vous êtes pasteur, vous collez tout, vous êtes là, et puis c'est vous-même qui pour gagner, pour l'autre monde pas gagner. Ça, vous devez comprendre, mon frère. Même pas que son habillement, vous ne pouvez pas gagner l'argent, vous n'avez fait pour gagner l'argent, il faut le manger, il faut le gagner. Il faut que manger de la caille, oui. S'il pas gagner, si un pasteur n'a pas de travail sur l'église, là, seulement. Leur travail, il faut faire marquer, il faut mettre la caille, oui. Faut porter le veste, il faut porter le soulier, il faut faire comme gagner. Comment on va gagner? Non, mais c'est mes frères, c'est mes frères, c'est capteur de Castille, s'il vous plaît. Entendez la parole, parlez de ça à mon dit. Comme s'il ne m'a pas parlé, nous me ferons tant de m'bito, parce qu'il y a des conversations que la Bible m'a demandé pour nous faire. Pas de monde qui dit monde pas habillé, et pas de monde qui dit monde pas de machine, pas de bagaille, mais en chercher conditions à contexte, j'en vais demander pour nous gagner. Monde qui gagne trois pieds, pas besoin de manquer rien, et monde qui gagne trois pieds, pas besoin de gagner trois. Et moun ki gen moins sûr pa jamais manquer rien parce que tout l'argent chrétien dans venant concrétion Jésus-Christ là pour yon disciple de Jésus-Christ tout doit mettre ensemble pour tout monde ka manger tout monde fait pour bret tout monde fait pour habiller tout monde soit égal égo pa gen yon qui doit être plus que l'autre frère sème c'est ça qui est deux fois qu'on est que bon Dieu bénisse entendez étendez et comprendre bon Dieu bénisse amen bon Dieu bénisse frère Jean dans le nom de Jésus-Christ. Comme chers téléspectateurs, vous entendez bien, pendant la parole, que nous ne pouvons pas dire personne ne passe avec l'argent. Et c'est ça que nous prenons. Proverbe 30 encore, nous répétons, pour nous barou encore, Proverbe 30, verset 6 à 9. Nous relis pour nous montrer que nous avons de quoi nécessaire pour vivre. Parce qu'il faut vivre. Il faut payer caille, bien sûr. C'est tout de même, tout là, nous parlons des dîmes pas exister. Nous pas dit pour nous, pas bailler l'argent, parce que la dîme, ce n'est pas l'argent qui est lié. Ça pousse à l'évangélique, bon Dieu béni. Et qu'attends un petit peu de récepteur là pour nous, s'il vous plaît, frère, mon oui. Bon Dieu béni, on attend. Oui, bonjour. Bon Dieu béni, c'est moi, bonjour. Oh, c'est bête. Ou toi, pour nous. Écartez télévision pour nous, s'il vous plaît. Écartez. Oui, et puis retirez quoi au bord de la télévision. Et tu es pas oui, éloigné un peu. Ah non, qu'est-ce que c'est? Bon. Oui. Voilà. Est-ce que nous t'as? C'est bon? Un peu écarté, toujours parce que un peu. Ok. Son un peu grison. Et voilà. D'accord, pas un problème, d'accord. Bon. Nous t'es l'écoute des fois, c'est pas celle-là, tout à l'heure. Oui. Les deux coups à l'arqué, au monde, pas doué. Habillé pour l'église, au monde doué pour gagner bien habillé, même j'ai un pasteur qui a habillé, même j'ai un monde qui avait ton soulier, il doit gagner. Mais tout en réalité, tout seul buté, parce que moi je suis à la caille pour parler l'église, pour faire mettre sa patte dans pied là l'église. Parce que nous tous faites, nous faisons connaître, pas que monde qui te fait avec pied sur la terre. Oui. Et si vous voulez sauver, ou bien sauver un amour, pas garder pour l'homme qui a une belle voiture, pas garder pour l'autre qui a une belle pantalon, pas garder pour l'autre qui a une belle soulier, mais si c'est ça, pas de l'engrais, ou aller pour l'amour, ou pas aller pour l'homme. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Alors, c'est surpris, ça me dégrimpe moi-même. Parce que si qui a gardé pour belle pantalon, belle soulier, belle radoudou, pas gagner, on va voir l'église, bon, tout peut avoir du amour. Alors, essayez de charger, nous essayez de charger sur les âmes, nous. Pas un monde comme tel ou autre, comme tel caille, pour du foyer et tout. De bon côté, toi là, pas couler,
ou qu'à dormir là dans le lit, ou pas mouiller, ou dormir dans le cadre avec tout le monde. Amen, amen. Alors, tout seul, je vais encourager tout le monde, pas garder sous le monde pour dire que ou pas un bel habillement, va voir l'église. Toujours aller à l'église, ou un bel habillement, allez, pas un bel habillement, allez, parce que vous allez pour l'homme, vous allez pour l'amour de Dieu, et vous allez pour sauver l'amour. Amen. La paix, mon Dieu, avec vous. Bon Dieu, bénis, frère, moi, ok. Oui, chers téléspectateurs, comme nous sommes pour plusieurs textes avec vous, nous allons avancer plus devant. Et pour nous regarder quelques autres textes. Et troisième texte que nous te prenons avec, c'était Apocalypse 2. Apocalypse 2, nous allons regarder Apocalypse 2 maintenant. Pour nous capables comprendre, arriver à comprendre la parole. Et pour voir que Jésus-Christ a mouru pour nous riche matériellement, mais mouru pour nous avoir la vie éternelle. Parce que l'objectif là, c'est qu'on gagne la vie éternelle. C'est ça qui est importé pour notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 2, le verset 9 à 11. Mais ça le dit. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs ou qui se disent chrétiens, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Le verset 11, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors, dans le texte là, l'église qui bague un reproche là, l'y trouver une église qui pauvre et en tribulation totale. Parce que l'homme dit nous que il y a prêchant l'évangile maintenant souterrain. Il y a l'évangile tout va bien. Alors l'évangile pour le mieux. La moins que l'église a non seulement pauvre mais tribulation encore. Jésus-Christ n'a pas dit que je vais suspendre la tribulation ou bien je vais mettre un bon petit l'argent parce que je suis pauvre. Non. Il ne dit pas peur. Ou je vais continuer à souffrir. Parce que le diable a jeté en pile dans nous dans la prison. Pour nous capables de réprouver, éprouver. Et nous allons tribulation de 10 jours. Tendez pour mes ça, oui. Sois fidèle. Je te donne la couronne de vie. Jésus-Christ pas aucun rien pour mettre encore que la couronne de vie. Point final. L'embargo ne peut pas nier l'église parce que nous avons été destinés à la tribulation. Point final. A quel monde d'abîme nous pouvait bien être belle tichelle, belle ceci. Non, 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 pas du tout. Parce que pas une n'importe qui passe vie au sein pas de persécuter chaque jour. Péché qui et jusqu'à la mort. Nous avons l'évangile tout le monde bien-être. Qui ça? Parce que en pile passage biblique vient superflu. Hein? En gros mouvement que maintenant mon yo vient prendre, c'est que tout passage biblique qui dit que vous serez haï, rejeté, persécuté à cause de moi, yo pas prêché ça yo. On pas tant non pas chaque cap de vous persécuté, jamais. La dit non mon qui persécute la voilà bon repos. La Bible dit vous persécuté jusqu'à la mort. De Timothée 3:12, qui ça le dit? Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, Jésus-Christ seront persécutés. Et ils ne doivent pas persécuter pour être à un moment, ils doivent persécuter jusqu'à la mort. Jésus-Christ dit, si vous voulez suivre, prends quoi? Et de pouvoir battre pour protéger vous, pour ne pas mourir, ou perdre. Mais si vous perdez vie, parce que vous faut perdre vie, il faut mourir pour Christ. Pour gagner la vie éternelle, il faut mourir pour Christ. C'est sa condition. Parce que même Jésus même était souffri, il a une ville pour nous, mais c'est nous-mêmes tout. Consacre pour nous préparer, pour nous souffrir, pour nous mourir pour lui. Alors, on va venir faire chèque, on va vite pas filmer, on va subir, on va climatiser, et puis on va prendre Dieu à sortir dans le royaume des cieux. Oh, plutôt c'est comme ça, c'est vrai. Non, détrompez-vous, chers téléspectateurs. Détrompez-vous aussi que c'est un bagage que vous avez appris. Il dit, à faire plus tard que vous êtes persécutés, vous avez des tribulations, le monde a raillé, il a jeté en prison, il n'a pas voulu voir. Yo pa jam prêche, yo jam dou bagay sa. Est-ce yo dou wap persécuté? Yo dou wap gen tribulation? Yo dou le monde après you? Non, yo dou entre en bas avant le monde. Parce que même allez nous vinn nous marier, nous font seul chair.
et puis qu'on a laissé Christ derrière et puis on part avec Christ encore. C'est ça qui est que nous nous fait maintenant. Gardez avec moi, il y a le texte. Il y a le texte, c'est